Autre exploration que je voulais faire. Ça, faudra que je pense à y retourner. Ici, on va se mettre là. Enfin non, c'était pas là. Non, c'était la grâce du tu, je crois. Pas ici, plutôt. Ouais, voilà, ici. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Ok, il doit y avoir qu'une première échelle au début. Ensuite, j'étais parti par là-bas. Sans faire gaffe que ici, il y avait des trucs. Ça va pas, non? De la merde partout là. Mais tu te calmes, oui? Non, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà, on peut monter par là. Plat. Ah, tu m'auras jamais. À moins que tu saches monter aux échelles. Ah, tu sais monter aux échelles. C'est tout à ton honneur. Merci. Tac 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 tac. Ok. Je crois qu'ici il y avait un loot, non? Je sais pas, je l'ai peut-être pris. Bon, bah au final, c'était pas pour grand-chose, mais bon, au moins ce sera fait. J'ai ça de moins derrière la tête. Ouais, ok. On va pouvoir revenir à notre exploration du plateau Altus.
À commencer par cette grotte que j'ai commencé à explorer mais que je n'ai pas terminée. Enfin, donc je n'ai même pas commencé, genre je me suis arrêté à l'entrée quoi. Je sais plus si la grotte c'était avant ou après eux. Bah, c'était à leur niveau, je crois. C'était tout simplement à leur niveau. Play. Ça pourrait. D'accord. Ici, il n'y a rien aussi. Non. Y a du cristal brisé. Paf. Paf. Oui. Et là, on a notre grâce. Eau de grâce, donnez-moi un site. Ah, un giga chat avec moi. Alors, faut faire gaffe parce que je crois que tout ça, c'est explosif là. Voilà, et justement, c'était pour que toi, tu les fasses péter, gros coquinou. Marche! Hop, l'attaque. Talisman de dragon de foudre plus 1. Ça doit être protection contre la foudre. Ça sert à rien de venir ici. Ah, si. Oh, pierre de forge sombre 6. En plus.
Putain, le bruit que ça a fait. Bon, ben je suppose que je dois descendre. Même si j'ai pas forcément de quoi remonter. Ah merde. Je me suis atterré les deux du coup. Triple kill. Incroyable. Il tue trois soldats en un seul coup. Toujours pas de... Oh, tu sors d'où toi? Hein, c'est peut-être par là que j'étais censé descendre de manière conventionnelle. D'accord, très bien. Marteau de troll, très bien. Il y a quelque chose par là. Oui. Et donc là, on a soit à droite, soit à gauche. Allez, à droite. Je vais me rendre un max de vie s'il te plaît. Merci. Ok, bon bah ça c'est nickel. Pof pof pof. Ah et maintenant on arrive où? Mais j'entends encore des gens miner. Je pense que c'est un indice. Je suis censé suivre le bruit pour trouver le... Ouais, là ça s'estompe, donc c'est pas par là. Sont peut-être tout simplement au-dessus. Ah oui, là-haut. Je peux aller là-haut? Qu'est-ce que j'ai branlé pour pas aller là-haut? Non, j'ai pas pris ça, hop là. Et maintenant, du coup, le boss. Ah, c'est un troll. Un troll fouisseur. Qui va potentiellement faire exploser tout. Ah, et on a ta massue. Ah, bon, mais en fait, non. Le troll ne va rien faire exploser du tout. C'est juste moi qui vais lui exploser le fion.
Un grand gourdin. Ça sert à rien, j'en ai déjà un. Bon, on va checker les armes quand même. Ça va être dans les armes colossales à mon avis. Oui. Alors, un grand gourdin. Énormément de force. 154 avec des dégâts sacrés, pourquoi pas. 153 avec des dégâts de feu. Là, si je veux vraiment être en mode Ouga Ouga, à tout moment je prends ça et les deux ça le fait quoi. Genre la double massue là, ça chie des bulles. Mais bon, elles me plaisent bien ces épées, à part l'épée avec plein de lames là, elle est un peu moche au niveau du design, ça m'embête un peu ça. Ça m'embête un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? Un truc que j'aimerais faire. C'est déjà me TP là et checker ces ruines parce que ces ruines là, je crois pas avoir trouvé le sous-sol. Oh, ça va, il est faisable ce jump, hein, fais pas genre. Bon, j'ai arrêté le gameplay ici. En tout cas, ce premier boss m'a encore plus hype sur le reste du jeu. Bah ouais, en vrai là normalement tu vas arriver sur une zone bien sympa. En tout cas moi je l'avais plutôt bien aimé. T'as quelques ennemis qui sont un petit peu casse-couilles. Mais en vrai ça va. Ah mais d'accord, en fait les ruines sont en haut. Donc il faut que je monte en haut. Mais après, en règle générale, je crois que j'avais bien aimé les. Je l'avais ouvert ça, hein. Ouais, je l'avais ouvert. J'avais bien aimé les zones de Dark Souls 3. En fait, faut partir du grand ascenseur pour arriver là. Bah allons-y, prenons le grand ascenseur alors. Mais oui, ce premier boss, il tape assez fort, hein. Il tape très très fort. Je veux dire en termes de flow. Du coup, ça donne envie de voir la suite, ouais. Là, le grand ascenseur. Oui, c'est vrai qu'en haut du grand ascenseur, il y a eux.
que c'était un. Bon, donc les ruines de luxe. Corde. Pourquoi? Pour se pendre avec? Pierre luisante, ok. Oh le filou. Bon, là j'ai la petite effigie de Marika. Et le petit boss en bas. Qu'est-ce que ça va être? Ah putain, il y en a plusieurs. Touché, sale bête. Talisman d'épée rituelle. Oh, est-ce que c'est bien? Mais non, je suis con, c'est pas ça un talisman. Un talisman, c'est ça. D'accord, meilleure puissance d'attaque en PvE max. Pourquoi pas, c'est rigolo, mais bon, c'est pas folichon non plus. Ok, ok. Un truc aussi que j'aimerais faire, c'était rendre Vic à frère machin truc. C'est la pote de Margot. Ouais, c'est la pote de Margot. Mais je vais rendre mon, visite ouais, à mon pote l'aveugle parce qu'il était là en mode ouais je suis à la recherche du casque du masque doré. Et il y a un PNJ qui s'appelle le masque doré à genre 500 mètres plus loin quoi. Ah voilà, position du masque d'or. Du coup,
Je suppose que si je me repose à un feu. Le boug, voilà, ne sera plus là, mais plutôt à côté. Je ne sais pas où il est. Peut-être quelque part, parce que lui, techniquement, pour y aller, il aura eu besoin de faire le tour. Ah, sinon, il aura été bloqué par le... Ouais, il aura eu besoin de faire le tour par la Hindel. Peut-être qu'il sera arrivé, qu'il sera mort dans la Hindel, ou une connerie comme ça. En attendant, on va aller voir le masque d'or, le fameux. El famoso. Je sais plus où exactement, mais normalement... Ah ouais, non, ça doit être plus loin. Normalement, je devrais avoir une colonne d'air, voilà, ici. Ah, alors, t'es content? You incantations as before, though we must do so quietly, such that we not disturb the great master's cogitation. The master is always deep in contemplation, while I frantically attempt to record his wisdom, the movement of his finger, and though I am yet to comprehend even the daintiest morsel of his wisdom, I know that this is my life's calling. The Golden Order has bestowed me, talentless as I am, the great duty of documentarian. May the Golden Order shine through you. Ça marche. Et toi, tu dis toujours rien. Bon, je suppose qu'il faut pas que je le tue, sinon ça va faire la merde. Ok, mais grosso modo, il montre leur bon monde, quoi. Alors. Je sais pas ce que je vais. Ouais, je vais peut-être aller là. Du coup, sur cette route-là. Et voilà. Être là, autant monter là-haut. Hein. Ah, c'est par là qu'on monte là-haut. C'était pas là les villages de fous là où tout le monde danse. Ah bah si. Où la moitié danse et l'autre moitié explose. Ah, ça me dit d'aller là-bas.
C'est ignoble en termes de bruit. Hein. Et genre, il ressemble à quoi? Ouais, non, ils font quand même peur, hein, les persos. Ils font quand même un peu peur, hein. Ça met plus mal à l'aise qu'autre chose d'être à cet endroit-là. Ah, il y en a une dans son coin ici. Pourquoi vous dansez pas comme les autres? Bon, je suppose que j'aurai des réponses en montant plus haut dans le village. C'est une genre de malédiction de la danse. Non, je pense que ça s'amuse juste, hein. Écoute, hein. Enfin, j'en sais rien. Il doit y avoir une explication autour du lore et ça doit être ignoble. Comme d'habitude. Ok, faut que je garde ça en tête. Il y a un passage le long de la falaise. Ah, c'est de la chair exaltée, d'accord. Oui, non, il y a un truc dans ce jeu qui s'appelle la flamme exaltée. Et qui est, je crois, le truc un peu le plus sombre de tout le lore du jeu. Et qui rend les gens cinglés, quoi. Je m'attendais à ce qu'elles s'énervent si je prenais l'item, mais en fait non. Elles se sont pas énervées. Je t'avais pas vu, toi!
Déjà viens là parce que je me souviens plus de tes patterns, alors ça va être compliqué. Le PV du Seigneur, le PV du Seigneur. Allez, c'est reparti. Ah, explosion. Explosion. Oh, j'abuse. Aïe. Voilà, couché. Merci. Écorcheur sancte chair, fouet des flammes noires, d'accord, très bien. Voilà, c'est ici. J'avais vu qu'on pouvait longer la falaise. Ça nous amène à un item. Crâne de l'officiant. Ouf. C'est rigolo. GG, merci. Merci. Il était plus simple que celui de Kaelin, celui-là, étonnamment. Je vais considérer que c'était là l'utilité de ce village. Merde. Qu'est-ce qu'on voit à droite? Ah, des restes de catapultes, justement. Ah oui, j'ai pris la route du haut, je voulais prendre la route du bas, putain merde. Je m'étonne que c'est bien protégé ici. Plus on se rapproche de la capitale, mieux c'est protégé, je suppose. Oh! Je l'avais pas vu le petit arbre.
Voilà les ruines qui m'intéressent. Wesh. C'était pour le moins inattendu. Je crois qu'il a bugué un peu dans les textures, mais... Ah, il est là. C'est vrai qu'il donne des coups de tête. Aïe. J'abuse. Bon, c'est mérité, c'est mérité. Je vais essayer de venir chercher mes âmes quand même, ce serait dommage de laisser 60 000 de côté. Tiens, elle a des cornes. J'ai jamais fait gaffe que les lions avaient des cornes comme ça. Voilà, c'est bien, ton apparition est pas buggée cette fois-ci. Par contre, ton IA l'est peut-être un peu. Qu'est-ce que vous avez branlé, From Software, avec ça là? Vous voyez bien que ça fonctionne pas ce système. Voilà, viens là. Dans le cucu! Voilà, couché, sale bête. Ah, c'était une larme là, d'accord. C'était donc pour ça.
Bon, il est où mon sous-sol? Ah, mais ça continue encore plus loin. À moins que. Mais sinon, c'est juste que je suis trop con. Merde alors, y a pas de sous-sol. J'ai précieux droit devant, ok. Et là? Bête, oh bête, oui. Peut-être un truc à faire là, non? Bon, bon, bon. On va pas s'éterniser là-dessus, hein. Y'a rien en dessous? J'aurais dit qu'il y aurait quelque chose, tu vois. Des tombes. Ah mais c'est des pièges, c'est ça? Et quand je marche dessus ça. Ouais bah flemme alors de loot. Flemme de loot alors. Pour une fois, j'ai vu la grâce. Nickel. Bon, je vais aller là où il y a des éclairs parce que je suppose que c'est là que je vais trouver mon arme ultime. À savoir le roulé-boulé du mouton électrique. Avec lequel je vaincrai Malenia. Ça par contre c'est une tombe de héros ou je sais pas quoi là. Ah, un assassin des couteaux noirs. Heureusement qu'il a raté sa chope, hein, parce que sinon. Bon, je l'ai vraiment pas trop respecté, le pauvre Michette. Il me loot rien. Ah, un couteau noir. Et ils sont bien les couteaux noirs. Même si je suppose que c'est de la merde de dextérité. Sacré. Ah, je pensais que ça ferait des saignements, le couteau noir. En fait, non. Ça fait des dégâts sacrés. Ils voulaient buter des dieux avec des dégâts sacrés. Ils savent pas que les boss ils sont immunisés quasiment à ça.
Bon, bah on est ah, canonisé. Il s'est fait canoniser. Ça peut être agréable de se faire canoniser. Où est-ce que je mets des niveaux, moi? En fait, j'ai tellement pas besoin de level up que je sais pas. Je sais pas dans quoi le mettre. Je pourrais mettre en force pour taper plus fort, mais ça sert à rien. Enfin, bon. Ça servirait à moitié à rien, quoi. Talisman de graines pourpres. Augmente les PV rendus par la fiole. D'accord. Raise the sun. Ah, il fait de la lumière, d'accord. Donc il y a un système de mécanisme, ok. Elle a bugué ta texture à toi, non? Ton IA aussi, non? T'es complètement bugué en fait. Ah non, c'est peut-être un ennemi spécial qui ne peut pas être tué. Non, c'est normal. Bah ouais, c'est normal, mais du coup, moi, je fais comment? Ah, c'est toi qui fais ça? Non, c'était pas lui. Laisse-moi tranquille. Ah, je sais. Allez-y, venez là. Ouais, d'accord. Et maintenant, ils deviennent normaux. Damn, vraiment, vraiment sympa cette mécanique-là, j'aime bien. Chercher tour. Qu'est-ce qui nous baragouine, lui? Cendre de soldat de la Endel. Ouf! J'ai eu peur, ta mère la pute! En même temps, fallait s'y attendre, hein. C'était relativement prévisible, hein. Bon bah on continue hein. Merde, putain. Voilà.
Qui a fait ça? Merci. Salut. Talisman de bouclier draconique. D'accord. Ah, il en restait un. Ah d'accord, ça nous permet de revenir là. Mais du coup, il y avait quoi avant? Ça va pas, non? Qu'est-ce que tu branles, toi, avec ton cheval là? Tu es un mec qui fait n'importe quoi? Elle nous emmène quelque part, c'est là. Non, elle nous emmène nulle part. Ok, là on a quelque chose. Là on a le boss, je suppose, que je ne peux pas ouvrir. Ouais, voilà. Et ici on a quoi? On a autre chose. Oh, toi, tu vas me faire chier, toi. Voilà, merci. Ok, on passe au-dessus, du coup. Très bien. Ouh. T'as un flow sympathique, toi. Ah, je crois que je comprends. T'es en noir, donc je peux pas te toucher. Ouais. Et j'ai rien ici qui puisse t'enlever ton noir. Donc il faut que je te prenne et que je t'attire plus loin, c'est ça? T'as sauté, c'est bon? Alors, suis-moi, ça va pas être long. Non, merde, c'était pas par là, c'est de l'autre côté, je crois.
Voilà. Ah, c'est ça qui ouvre la porte. C'était de le tuer lui. Oh putain, c'est bien fait. J'aime bien le système. J'ai fait une connerie, je voulais revenir dessus et monter dessus, mais je suis mort. Bon, tant pis. Parce que justement, je crois que j'ai une route que j'ai pas prise en haut. Donc, je crois qu'il manque une route. Enfin, en tout cas, il y a un endroit que j'ai pas vu. En tout cas, très fun. Genre là, voilà, ici, je suis jamais venu ici. Voilà, ça c'est pas info. Moi je m'appelle Bernadette. Ok, et on revient là. D'accord. Donc je crois que c'était tout, donc on n'aura pas raté grand chose. Par un peu de muguet fantomatique, ok. Dans ce cas, c'est très bien. Tac, là, on est arrivé ici. Il y avait ces petits filous. Venez là! Voilà. Oh, pardon, je t'avais pas vu, Overlord. Rar. Bonsoir, bienvenue, enchanté. Ok, bon bah c'est bon, j'ai tout vu. Direction le boss. Direction le boss. Ah merde, putain. Mais j'ai pas de cul, quoi. La proba, ouais, la proba était assez faible, mais écoute, hein, ça a suffi. Ça a suffi, malheureusement. Ok, te faudra faire gaffe à ton cul. Alors, quel est le boss? On va peut-être se concentrer un peu. Ancien héros de Xanor. Ah, je crois que j'en ai déjà vu des comme ça. Ouais, voilà, ça fait de la glace. Je pense pas que je pourrais caler des attaques à deux épées, hein. Ah si. Comme je le cancelle, si.
Voilà, il va geler son arme pour sa P2, très bien. Ah, yes, ok. Bon. Bah voilà. Ce fut rapide. Contre les petits boss, le build force, il marche pas trop mal. GG, bah merci, mais c'était pas non plus... C'était pas non plus une giga prouesse, quoi. Oui, je pense qu'on peut retourner à l'entrée. Je crois pas que j'ai raté grand-chose.